Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette dernière vidéo. Et oui, malheureusement, on est sur la dernière vidéo de cette semaine, par contre, où on testait les fumigènes et torches à main, toutes ces choses-là. En tout cas, actuellement, donc lundi, mercredi et vendredi, vous avez eu trois vidéos sur la chaîne, où justement, on a trois tests de fumigènes, donc un qui a trois couleurs et un autre rouge et un blanc. Si jamais vous n'avez pas vu les vidéos, je vous les mets un petit peu par ici, vous aurez également en fin de vidéo si jamais vous voulez les voir. Aujourd'hui, on se retrouve avec cette dernière vidéo de la semaine, c'est mon cadeau du week-end, avec la torche à main de la marque Hardy. Donc c'est un artifice d'extérieur. Comme vous le voyez, on est plutôt sur une belle bête, hein. On est sur un truc bien grand, hein, format taille de main. Par contre, par rapport au précédent test, là, on n'est pas sur un fumigène déjà. On n'est pas sur un fumigène autant à goupille que à craquage. On est sur un fumigène, enfin pas vraiment un fumigène, mais un feu d'artifice plutôt, à mèche. Donc vous avez simplement un petit dispositif sur le dessus qu'il faut retirer, qui protège la mèche. Voilà, côté se protège mèche, tout simple, hein, c'est écrit. Ok, et vous avez comme un feu d'artifice normal, une mèche allumée. Et donc ici on est sur une torche à main normalement. Par contre on est sur un gros format, donc ce qui pourrait se dire, oh putain c'est super, ça dure 2-3 minutes. Pas du tout, on est sur normalement un feu de Bengale, donc normalement ça crache bien. Ça aurait plutôt être cool de tester ça de nuit, mais on ne me voit pas, donc après ça me fait un peu chier sur les vidéos. Donc du coup, le plus simple c'est que je vous montre ça. Normalement on est sur un feu de Bengale, de ce que j'ai compris, flamme de Bengale, pyrotechnique, 30 secondes. Donc allumage tout simple, et puis bah, normalement ça crache quoi. Hein. Donc on va tester ça. Allez, c'est parti! Oh la vache! Oh oh! Oh la taille de la flamme! Regardez par rapport à ma main! Ouf! Ah, c'est un lance-flamme portatif, hein! Oh putain! Faire gaffe avec le vent, mais. Regardez! Wow! Ça crache, hein! Mais c'est rapide, c'est vachement rapide. Je suis même pas sûr qu'on les a les 30 secondes, hein. Je pense plutôt qu'on est sur du 15-20. On verra au timer, mais ouais, bah voilà, fin de vidéo, hyper courte, plutôt simple. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai bien kiffé, donc voilà. Au cas où, je vous laisse deux vidéos ici, au cas où pour voilà, voir un petit peu ce que j'ai fait sur ma chaîne. D'habitude, je suis pas du tout dans les feux d'artifice, mais là, juste parce que ça me faisait marrer. Et que, pour terminer sur ça, je voyais l'utilisation des fumigènes ou des torches à main dans le cadre d'un sac d'évacuation. J'en ai parlé dans la précédente vidéo et j'en parlerai un peu plus tard dans d'autres vidéos. C'est pour ça que je teste ces fumigènes-là, justement, pour faire un avis général sur tout ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses que vous avez aimées, pas aimées, des vidéos que vous aimeriez voir. Au cas où, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne, il y a plus d'une centaine de vidéos. Il y a sûrement quelque chose qui peut vous plaire. En tout cas, merci d'avoir cliqué, c'était sympa. Vous pouvez vous abonner juste ici, les vidéos sont là. Ciao, ciao !